Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi toi, propriétaire, eh bien, tu devrais confier plutôt ton appartement à une société de sous-location plutôt qu'à un locataire traditionnel. On va répondre donc à cette question. Je vais t'expliquer un petit peu eh bien, les différentes raisons. Bon, comme tu le sais, si tu suis cette chaîne YouTube, tu sais qu'on parle beaucoup de sous-location et qu'on parle aussi beaucoup de location typiquement courte durée et tout ce qui est également conciergerie d'appartement. Mais je vais t'expliquer vraiment les avantages pour toi qui es propriétaire d'un appartement de confier son appartement en location eh bien, à une société qui va faire ce qu'on appelle de la sous-location. Je vais expliquer en introduction eh bien, le rappel de la sous-location, comment ça fonctionne tout simplement. Et puis ensuite, je vais t'expliquer eh bien, ce que ça peut vraiment t'apporter comme solution à toi qui es aujourd'hui propriétaire d'appartement. Comme tu le sais, juste avant, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite à t'abonner à cette chaîne. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner tout en bas, tu t'abonnes et comme ça tu vas rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Et tu vas activer aussi la petite clochette, comme ça tu seras notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle justement d'immobilier, d'investissement locatif, on parle de sous-location justement professionnelle, hein, sous-location professionnelle, et on parle aussi de conciergerie d'appartement, comment eh bien, accompagner les propriétaires à gérer leur appartement en location courte durée. Et d'ailleurs, si c'est des sujets qui t'intéressent et si toi aussi tu souhaites te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière ou que tu souhaites te lancer dans la conciergerie d'appartement, eh bien tout simplement je t'invite à mon prochain webinaire qui aura lieu dans les prochains jours. Tu vas découvrir un petit lien tout en bas dans la partie description, puis tu pourras aussi récupérer des formations totalement gratuites pour t'expliquer justement comment monter ce type de business. Donc aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à toi qui es aujourd'hui propriétaire d'appartement et qui fait très certainement de l'investissement locatif ou qui souhaite tout simplement rentabiliser peut-être un appartement ou une maison, une propriété que tu as récupérée et tu souhaites le louer. Donc il n'y a pas aujourd'hui, les différentes méthodes sont bah, soit on loue en nu, soit on loue en meublé. Alors moi, comme tu le sais, je te recommande fortement de louer en meublé pour tout un tas de raisons. Notamment, et la principale, c'est pour des raisons fiscales, toi qui es propriétaire d'appartement, puisque en meublé, on va avoir une fiscalité qui va être généralement plus intéressante qu'une location en nu. Il y aura peut-être quelques cas de personnes où la location en nu pourrait s'approprier, enfin pourrait s'adapter à leur solution. Mais généralement, la location en meublé s'y prête vraiment plutôt bien. Donc du coup, une fois que tu as choisi ta location meublée quand tu es propriétaire, tu as ensuite, eh bien, donc, il va falloir que tu trouves un locataire. Donc généralement, ce que font les propriétaires, bah, ils ont deux principales, enfin on va dire trois en fonction de la grandeur de l'appartement. Si c'est un grand appartement, généralement, s'ils vont aller chercher soit de la colocation, soit ils vont louer l'appartement eh bien, en meublé, donc avec des baux à l'année, ou bien ils vont faire donc de la location courte durée, peut-être que c'est peut-être ce que tu hésites de faire. Mais on a aussi après les appartements type studio, T2, T3, etc. où là du coup, bien, si tu es en meublé, tu vas avoir deux choix. C'est soit tu vas louer à l'année, soit tu vas louer ce qu'on appelle en location courte durée. Beaucoup de propriétaires, malgré ce qu'on croit, parce que forcément cette chaîne, on parle beaucoup de location courte durée, et du coup, beaucoup de personnes pensent que tous les propriétaires qui ont des logements en meublé veulent tous faire de la location courte durée. Mais je te le dis, statistiquement, c'est très clair, il y a beaucoup plus de personnes qui font de la location en meublé à l'année que de personnes qui font de la location courte durée. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est tout ce côté chronophage, tout ce côté d'organisation, de gestion entre les ménages, les entrées, les sorties, gérer les voyageurs, répondre aux messages, etc. Et beaucoup de propriétaires font de l'investissement locatif, déjà d'une part pour se constituer un patrimoine et puis éventuellement, tout simplement parce que la location meublée va, comme je le disais, leur apporter une souplesse fiscale, mais également aussi, c'est que généralement, quand on fait de la location en meublé, eh bien, généralement, ça permet de faire du cash flow positif, c'est-à-dire gagner un petit peu d'argent sur eh bien, la location. Et beaucoup de propriétaires voient plutôt l'investissement locatif plutôt comme une constitution d'un patrimoine pour leurs vieux jours, pour leur retraite, etc., plutôt que partir sur des schémas, à haut rendement, comme je peux en parler sur cette chaîne YouTube. Et du coup, ce qui se passe, c'est que généralement, ces propriétaires-là, c'est un profil de personnes qui, aujourd'hui, préfèrent avoir un locataire qui paye son loyer chaque mois, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défaillance de paiement, et avoir un logement qui est plutôt bien entretenu. C'est vraiment leur... Et si tu regardes cette vidéo et que tu es dans cette configuration,
Je te le dis parce que je parle beaucoup avec des propriétaires et généralement, c'est ce qui m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as aussi la possibilité, si tu fais le casque courte durée, de confier ça à une conciergerie. Mais beaucoup de propriétaires veulent vraiment pas s'embarrasser avec ça. Ils veulent un locataire qui va rester le plus longtemps possible dans l'appartement, plusieurs années si possible. Parce que pour rappel, la location meublée, c'est pas qu'un an, hein, ça peut être plusieurs années. Et du coup, ces propriétaires-là, ce qu'ils veulent, c'est, comme je te le disais avant, s'ils veulent tout simplement bah, que leur crédit bancaire qu'ils ont par rapport à leur projet soit juste et bien payé par le loyer du locataire. Si éventuellement il y a un peu de cash flow positif, bien entendu, ils vont être contents de le prendre. Mais c'est surtout dans un but patrimonial, surtout dans un but de diversification et faire en sorte qu'ils ont du patrimoine pour leurs vieux jours, aussi peut-être pour l'héritage, pour les enfants, etc. etc. Donc ils ne sont pas dans une recherche absolue de profitabilité. Et ça, contrairement, je réinsiste là-dessus, mais contrairement à ce qu'on pense, il y en a beaucoup plus que de propriétaires qui veulent faire la location courte durée, beaucoup plus. Donc du coup, quand tu es face, et si toi aujourd'hui tu regardes cette vidéo et que tu te dis, bah ok, moi ce que dit Sébastien, c'est clair, c'est moi je suis dans le même schéma, je suis propriétaire d'appartement et j'ai pas trop envie de m'embêter avec tout ça, location courte durée, je veux pas en entendre parler. Je veux louer mon appartement, mais par contre, je veux un bon locataire, c'est-à-dire quelqu'un qui va me payer mon loyer avec garantie, qui va pas faire aussi sortir régulièrement parce que ce qui est embêtant pour un propriétaire, si tu es propriétaire, ce qui est très gênant, c'est d'avoir un locataire qui va partir peut-être tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, il va se remettre en recherche. Donc, ça veut dire des frais de recherche parce que tu confieras très certainement ton bien à une agence immobilière et on va y venir juste après pour la recherche. Et donc, du coup, tu auras peut-être aussi de la vacance locative. Donc, si toi aujourd'hui, tu es propriétaire, tu fais la location meublée à l'année, pourquoi tu devrais confier plutôt ton appartement à une société de sous-location? Eh bien, je vais te livrer les trois avantages, les trois principaux avantages qui vont faire que pour toi, c'est vraiment, c'est vraiment la solution idéale à mon sens. La première raison, la toute première, c'est que le loyer sera garanti pour toi propriétaire. Tout simplement parce que la société de sous-location qui va récupérer ton appartement va derrière faire une exploitation. Donc, elle va te verser un loyer et derrière, elle va exploiter le logement. Tu te doutes bien que si, à un moment donné, elle est défaillante dans ses règlements de loyer, ça remet complètement en question sa crédibilité, mais aussi, surtout, le fait son modèle économique. Parce que si, à un moment donné, elle ne paye pas le loyer, et juste pour rappel, quand on est en entreprise, et c'est pour ça que si tu es propriétaire, moi je t'invite vraiment à confier ton appartement à des sociétés plutôt qu'à des indépendants parce que c'est un peu plus compliqué, parce que c'est lié à leur situation personnelle. Alors que quand c'est en société, c'est lié à l'entreprise. Est-ce que, pour rappel, une entreprise doit être à jour de tous ses règlements? Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, si toi, propriétaire, tu as un bail, donc un bail spécifique, hein, puisque sinon on ne parle pas d'un bail d'habitation loi 1989, et on va y revenir juste après, eh bien toi en tant que propriétaire, tu as la possibilité de saisir le tribunal et ça va aller très vite. Tout simplement, la société qui ne paye pas le loyer, elle va vite dégager. Et j'ai même envie d'aller plus loin, on peut même aussi envisager de faire inscrire sur le CABIS et de faire inscrire donc la société en tout simplement défaut de paiement, c'est-à-dire qu'elle va être placée en cessation de paiement. Et qui dit cessation de paiement dit derrière, eh bien, très certainement un redressement fiscal, une liquidation judiciaire simplifiée ou eh bien un redressement judiciaire. Donc tu doutes bien que le professionnel qui va louer ton appartement, il a tout intérêt à ce que tout se passe bien. Ça, c'est la première chose. Et encore une fois, lui, c'est son business, d'accord? C'est-à-dire que si il a plus le lieu, c'est-à-dire que si toi, tu décides d'arrêter avec le sous-loueur, la personne de la société qui va sous-louer ton appartement, eh bien, tu doutes bien que lui, pour lui, c'est une perte de chiffre d'affaires. Donc, il a tout intérêt à ce que ça se passe bien, mais vraiment, bien plus qu'un locataire traditionnel. L'autre chose que je veux rajouter par rapport à ça, c'est que derrière, on a un bail spécifique, d'accord? C'est un bail qui encadre bien cette activité-là. Ce n'est pas un bail loi 1989. Les baux que tu signes aujourd'hui avec des locataires classiques Lenda, ce sont des baux loi 1989 qui les protègent notamment par rapport aux trêves hivernales, mais également aussi, tu ne peux pas virer une personne parce qu'elle ne t'a pas payé ton loyer, tout simplement parce que tu dois saisir le tribunal et tu le sais, une procédure d'expulsion met en règle générale à peu près un an. Ça ne sera pas du tout le cas avec une société de sous-location, encore une fois, parce qu'elle a tout intérêt à payer ton loyer pour que justement, elle puisse continuer à exercer son activité. Et de toute manière, il y a des clauses suspensives qui feront que tu pourras rompre le contrat en cas éventuellement de défaillance de règlement. Mais la société de sous-location, vu qu'elle a un mode d'exploitation qui est hyper rentable pour elle,
elle va s'empresser de payer le loyer parce que c'est pour elle, son gage, c'est comme si tu privais quelqu'un, par exemple, je sais pas, tu privais par exemple une boulangerie qui fait donc du pain, tu lui dis, bah pareil, tu lui dis, bah écoute, les lieux, tu vas quitter les lieux, donc elle ne peut plus vendre du pain, ou tout simplement, tu retires son four, bah elle peut plus cuire son pain. C'est exactement la même chose. Nous, on a besoin du logement en tant que sous-loueur pour faire notre exploitation. Et on a un contrat qui encadre bien ça et qui protège bien le sous-loueur comme le propriétaire. La deuxième raison pour toi, propriétaire, c'est que derrière, le bien va être entretenu régulièrement. Je m'explique. Ce qui va se passer, c'est que même si le sous-loueur fait de la sous-location et donc de la location courte durée, en règle générale, le fait est qu'il va venir régulièrement dans les lieux. C'est-à-dire qu'il va venir nettoyer l'appartement. Il va venir réparer toutes les petites choses qui sont défaillantes. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit des voyageurs régulièrement. Et si le logement n'était pas propre, n'était pas, comment dirais-je, adapté à la location, c'est-à-dire qu'il n'était pas, qu'il y avait des choses défaillantes dans le logement, bien évidemment, le locataire va laisser une mauvaise notation à la société de sous-location. Et la société de sous-location, eh bien, malheureusement, au bout d'un moment, elle pourra certainement plus exploiter parce qu'elle aura eu trop d'annonces, trop de commentaires négatifs et donc elle prendra moins en moins de réservations. Ce que je veux dire, c'est que le modèle économique d'une société de sous-location, c'est faire en sorte qu'elle ait un maximum de bonnes notations. Donc, qui dit bonne notation, dit un bon logement et que le logement soit entretenu. Contrairement à un locataire classique, ou un locataire classique, tu sais pas trop finalement s'il va pas fumer, passer son temps à fumer dans l'appartement, ou faire des soirées, ou créer la nuisance sonore. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas parce que tu confies ça à une société de sous-location qui derrière va faire la location courte durée que le logement va provoquer plus de problèmes qu'un locataire classique. Un locataire classique va te faire autant de problèmes, si ce n'est plus, puisqu'il va rester dedans pour le coup très longtemps. Et moi, je me rappelle très bien, on va récupérer une fois un logement où le locataire qui était dedans était un ancien fumeur, ça sentait énormément la cigarette. Ce qui ne sera jamais le cas avec une société de sous-location, puisque celle-ci va tout simplement, il y aura des voyageurs qui ne seront jamais les mêmes. Donc du coup, eh bien, la probabilité que tous les voyageurs qui passent dans le logement fument tous dans le logement, elle est quasiment nulle. Et c'est surtout que derrière, on va venir régulièrement l'entretenir, le nettoyer. On utilise aussi des appareils de gestion, enfin des appareils pour nettoyer les appartements, notamment des générateurs d'ozone pour tout ce qui est, mauvaises odeurs, notamment les odeurs de cigarettes. Et donc, le logement sera toujours régulièrement entretenu. La troisième chose qui fait qu'un propriétaire a vraiment nécessité de travailler qu'un sous-loueur, c'est que ce qu'on souhaite quand on est propriétaire d'appartement, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de vacances locatives, mais c'est surtout qu'on ne veut pas qu'on change régulièrement de logement. Pourquoi ? Parce que si tu es investisseur locatif, tu as très certainement confié ton logement à une agence immobilière qui te prend entre 5 et 7% pour la gestion de ton appartement, la gestion locative. Donc ça veut dire que l'agence immobilière va te facturer régulièrement des frais. D'accord ? Pour gérer l'appartement, peut-être même gérer aussi la récupération des loyers, etc., etc. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que tu risques peut-être d'avoir une vacance locative régulière, c'est-à-dire peut-être que tu auras des mois où des fois tu n'auras pas de locataire, et puis il faudra toujours aller chercher un nouveau locataire, donc des frais qui sont liés derrière. L'avantage de travailler avec une société de sous-location, c'est que celle-ci va te faire signer un bail qui va être au minimum de 3 ans. Alors tu peux faire moins, mais moi je ne te l'encourage pas. Et du coup, ça va te permettre d'avoir une sécurité pendant plusieurs années, minimum 3 ans, voire plus, hein, puisque moi, en tant que sous-location, je loue des appartements sur, par exemple, sur 5 ans. Donc, ça veut dire que pendant 5 années, tu as la tranquillité d'avoir tes loyers, de t'occuper de rien, absolument de rien, d'avoir un locataire qui est dedans, qui est certes une entreprise de sous-location, mais qui derrière va bien entretenir ton logement. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que vu que tu travailles avec cette société de sous-location, c'est pour toi se décharger de tout. Tu n'entendras jamais parler. Je vois par exemple aussi un autre point que je n'ai pas forcément spécifié dans cette vidéo, c'est que une société de sous-location, si par exemple il y a des petits soucis dans le logement, je ne sais pas, il y a un petit problème de chaudière tous ces petits détails, tous ces petits problèmes, quand tu as un locataire traditionnel, le locataire traditionnel, il est souvent en train de t'appeler pour dire « Ouais, là, il y a une fuite. Ouais, là, ici, j'ai pas assez de pression dans l'eau chaude. Le chauffage marche pas très bien. » Il y a toujours quelque chose, en fait, pour que tu viennes et que tu répares tout le temps dans l'appartement. Et en plus, il risque en plus de ça de peut-être te menacer, entre guillemets, ou de te mettre la pression en disant que si c'est pas fait, il va retenir le loyer. Ça, je te le dis, c'est garanti. Alors qu'avec une société de sous-location, vu qu'elle, c'est son business qui est donc impacté,
elle va pas chercher bien longtemps. Peut-être qu'elle va te contacter, mais peut-être pas. Moi, je vois typiquement dans le cas de mes sous-locations, on gère nous-mêmes les appartements. S'il y a des problèmes de chauffage, s'il y a des problèmes de X ou Y, on fait appel à des sociétés et on répare le problème. Ça veut dire que le propriétaire, il n'entend jamais parler. Et d'ailleurs, je les ai très peu au téléphone, on s'appelle très rarement, parce que, bah, en fait, lui, ce qu'il souhaite, c'est que le loyer soit payé. Et à partir du moment où le loyer est payé, il n'entend jamais parler. Jamais parlé. Et du coup, bah moi, c'est pareil, je parle très peu finalement avec les propriétaires avec qui je fais des sous-locations, sauf quand ils souhaitent eh bien, me redonner des logements parce qu'ils ont peut-être d'autres logements dans lesquels ils souhaitent mettre ma société de sous-location en tant que locataire. Donc voilà ce que je veux dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a motivé toi aussi en tant que propriétaire, bah, plutôt sous-louer, enfin plutôt confier ça à une société de sous-location. Plutôt que eh bien, trouver un locataire lambda. Alors après, ça peut très bien se passer avec tes locataires, mais tu le sais, tu prends un risque et même si tu as tous les documents inimaginables pour vérifier la solvabilité, etc., il y a toujours un risque que ça ne se passe pas bien, tout simplement parce que derrière, il y a des baux, le bail loi 1989 et la loi qui est du côté du locataire et qui n'est pas du côté du propriétaire. Et ça, tout le monde le sait. Hein, il suffit d'aller sur Internet, regarder les différents sites spécialisés et tout le monde pourra bien t'expliquer tout ça. On a plein d'exemples sous la main. Donc, je te le dis, va plutôt avec des sociétés de sous-location. Il y en a plein aujourd'hui. Moi, j'en forme énormément puisque je suis formateur et j'aide justement des personnes à créer leur entreprise de sous-location professionnelle dans leur ville. Donc, va les voir, rencontre-les et confie-leur ton logement et tu verras que ça se passera très très bien. Et d'ailleurs, si toi aussi tu souhaites lancer une société de sous-location, bah, tu le sais, je t'ai préparé une petite formation gratuite à télécharger tout en bas de cette vidéo. On a terminé. N'hésite pas à la commenter, à rajouter ce que tu penses de ça, toi justement en tant que propriétaire. Qu'est-ce que ça t'évoque chez toi? Est-ce que tu serais prêt à franchir le pas ou pas du tout? N'hésite pas à compléter cette vidéo. Je serais vraiment curieux d'avoir ton ressenti, ton retour par rapport à ça. Et puis, j'hésiterai pas moi aussi à répondre, bien évidemment. N'hésite pas à la partager. N'hésite pas à laisser un gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu. Et puis, écoute, on a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao!